L'opportunité de travailler avec le Château de Chantilly grâce à l'Institut de France, avec qui on a une collaboration. Le projet sur lequel on a travaillé lors de ce business case avec le Château de Chantilly, ça a consisté à repenser toute l'offre restauration et boutique du château. Ça m'a permis de développer mes capacités de travail d'équipe et également ça m'a fait découvrir le marketing culturel et un champ hyper vaste de possibilités. Ça nous permet d'appliquer nos connaissances qu'on apprend en cours, notamment les sciences sociales à Sciences Po, et de les mettre en valeur au sein d'un business case. C'est très professionnalisant et c'est un vrai atout pour nous et une grande chance d'être étudiant à Sciences Po pour ça. Ça permet aussi de se confronter à un vrai client, c'est-à-dire on doit satisfaire sa demande, on doit répondre à sa problématique, lui proposer des solutions. Imaginez ce qui pourrait être le mieux pour lui en fait. Grâce aux étudiantes de Sciences Po, une master marketing, on a pu avoir déjà un benchmark sur nos activités, donc à la fois sur la restauration et sur les boutiques. Et puis elles nous ont formulé des propositions extrêmement concrètes pour nous améliorer. Donc à la fois des propositions de produits, mais aussi des propositions des vues d'architectes pour améliorer le merchandising pour les boutiques ou les espaces de restauration. On a été assez impressionnés par la qualité des présentations, assez professionnalisantes, et la qualité et l'approfondissement des points qui ont été élaborés par des élèves qui n'ont en fait qu'une année de marketing derrière elles, mais qui sont extrêmement pointues et solides sur le sujet. On va réutiliser ces propositions. Alors soit moi je vais m'en servir pour alimenter en fait notre réflexion, soit de façon assez concrète et immédiate, on va pouvoir reprendre quelques plans pour améliorer notamment la circulation peut-être dans les boutiques ou dans des espaces d'accueil de nos restaurants. Sciences Po.